Question existentielle de ce matin, en bus ou à pied? Parce que à pied, ça fait faire du sport, et en bus, c'est super pratique. Tous les bus 300 et quelques, 301 jusqu'à 305, 306, peut-être 307, font toute l'avenue principale. Puis bah, si tu préfères aller d'un point A à un point B ailleurs, et bien, tu tapes sur Google Maps et ça te dit le numéro du bus à prendre. Avec le GPS, quand tu arrives à peu près à destination, bah, tu descends. Au moins ça t'aura rapproché, même si t'es pas exactement... Enfin, normalement tu seras au bon endroit. Tu peux monter à l'avant, à l'arrière, comme tu veux. Enfin, plutôt comme tu peux, parce que les bus sont blindés, donc là où il y a de la place, avec la EasyCard que t'auras bien pris soin d'acheter à Taipei avant, c'est gratuit. Précision, les 10 premiers kilomètres sont gratuits, mais bon, tu peux descendre du bus et remonter dans un autre si tu fais plus de 10 kilomètres. Chose que j'ai pas faite. Bon, et ça, c'est ce qu'il y a à voir et à faire. Je mets la musique. C'est parti! Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et voilà, cousine, voilà. Smooth, c'est si bon quand on smooth. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Space, c'est si bon quand on space. Sans ces espèces de repères. Repère même pas. Spam, c'est si bon quand on spam. D'être si bon ici bas. Suis-moi là où je fais saut, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où je me suis vous. Suis-moi, on y est ou presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et voilà cousine, voilà. Smooth, c'est si bon quand on smooth. Plus de questions et qu'on quand on space, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on spam. D'être si bon ici Sans oublier la visite culturelle à faire ici, le 7-Eleven. Acheter des produits dont on a besoin, acheter à manger. Pour un magasin, c'est plutôt normal. Prendre un café, basique. En lisant le journal, t'as pas mieux. Faire des photocopies, envoyer un fax, ça passe. Aller aux toilettes, pour un magasin, ouais, c'est pas mal. Payer ses factures, acheter des timbres, envoyer du courrier, recevoir un colis, retirer de l'argent, acheter une carte téléphonique, surfer sur internet, appeler un taxi gratuitement, recharger sa EasyCard pour le métro et le bus, développer ses photos, ouais. Manger tout son repas sur place. Ça se fait, on met tout son repas en entier, comme dans un resto. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Faire la sieste. Ça, c'est canon. Y faire des soirées comme dans un bar.
Waouh! Ouais, parce que la folie du 7-Eleven, c'est aussi en partie parce que c'est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci les vendeurs d'être toujours là à proximité pour nous. On peut aussi acheter à manger. Tu l'as déjà dit. Ouais, mais acheter des onigiri, c'est fun, non? Riz glutineux en forme de triangle au cœur duquel on trouve de la viande, du poisson ou des légumes enveloppés dans une feuille d'algue. Ça, c'est moi quand je découvre le principe de l'emballage en plastique des onigiri. Et pour la langue, pas d'inquiétude, on y trouve tout le temps quelqu'un pour parler anglais. Et quid des Family Mart? C'est la même.